Amogompa Souramen, président fondateur Global Rainbow Foundation, une fondation qui m'a créé depuis 2011 dans mon philosophie giving back, c'est-à-dire rendre à la société ce qui moi m'a gagné pendant mon la vie jusqu'à 60 ans. Alors donc mon décide pour engagement dans cette mission là et Global Rainbow Foundation c'est un NGO, un charitable trust qui nous fait faire mettre en place pour capable accompagner les personnes les plus vulnérables. Et pour nous, les personnes qui ont un handicap, c'est les plus vulnérables. Si nous ne faisons pas rien pour d'abord reconnaître notre droit, notre dignité, et nous ne pas encadrer les autres, ce n'est pas pour qu'ils sortent de sa pétrole. Alors c'est pour ça donc qu'ils vont décider, moi, mettre toute mon énergie, focus sur ce groupe de monde. Quand on peut causer un handicap, on peut causer tout type de handicap, qu'il est physique, qui les bandits qui malvoyants, non voyants, qui les bandes malentendants, bandes sourds, vous connaissez qui les bandes mentally challenge et différents types, multiples handicaps, etc. Alors donc Global Rainbow Foundation fin développe sa bande activité dans ce contexte là et mon besoin dire qui m'ont bien apprécié qui bandes plusieurs partenaires fin joignent en nous et mon un grand respect et appréciation pour Green Cross, dont le grand médecin Dr Gaou Sankar. Vous avez dit qu'il y a une vision qu'elle a créée Green Cross et qu'il met partout dans Maurice et à Rodrigue. Alors donc, Green Cross, comme on a posé spontanément, nous disons, nous êtes disposés à collaborer avec nous dans ce qui nous fait. Et qui nous fait, nous, global, nous organisons un medical camp à travers Maurice, dans une région défavorisée surtout, que nous donnons free medical consultation à ben personne dans sa catégorie, comme on dit, essentiellement ben personne handicapée, ben vieille du monde, etc. Alors Green Cross, ce service qu'il donne là, vraiment, il est bien apprécié parce qu'il fait un blood test et il donne ben du monde là ce drapeau et il permet de connaître quelle situation de la santé était. Et mon cas dire beaucoup du monde, il y a moyen peut-être pour le faire. Lui. Alors ça, c'est un soulagement qui nous bien apprécié et sa partenariat là pour moi, il peut bien développer. Maintenant, Green Cross finit avec nous dans au moins une dizaine de medical camp et je suis bien content qu'il nous demande la direction. Également, accompagne-nous pour un grand medical camp que nous allons faire à Rodrigue le 16 novembre. Et c'est pour une équipe importante qui parle là-bas. Green Cross pas avec nous, encore une fois. Alors, je veux dire que toute cette collaboration là, lui montrer qu'il y a une compagnie qui non seulement a son propre business faire profit, mais on a aussi à cœur l'intérêt de une communauté, de une personne vulnérable. Et donc, c'est ça l'esprit là qui nous a imprimé.